c'est pas fini. Il y a une autre fille ici là, que Dieu veut libérer d'un démon. Un démon impur. Ce démon veut se servir de ton corps pour faire n'importe quoi. Et toi, tu ne veux pas. Tu consacres ta vie au Seigneur. Tu consacres ton âme au Seigneur. Et tu ne veux pas aller en enfer. Tu pleures pour ne pas être dans le péché, mais le péché te colle à la peau à chaque fois. Là, tu es là. Et tu demandes de l'aide depuis quelques temps. La main du Seigneur vient sur ta vie pour te rendre libre, pour te libérer de cette prison dans laquelle, n'est-ce pas, tu t'es enfermé, l'ennemi t'a enfermé au nom de Yeshua. Seigneur, merci pour ta grâce. Je veux que tu lâches, quitte ma soeur parce qu'elle est appelée par le Seigneur. Sors de là! Voilà, quitte son ventre. Quitte-la, t'es obligé. Quitte-la, quitte-la. Sors, sors, je ne veux pas t'entendre, sors. Je dis sors d'elle. Et tu sais que Dieu l'a appelée. Tu veux détruire son appel. Sors. Il y a un troisième démon. Un troisième démon. Je dis sors. Oui. Vous voyez comment ce démon m'insulte. Okay. Ton nom, démon. Elle ne servira pas le Seigneur. Non. Ton nom. Ton nom. Non, non, non. Non, non. Dieu me montre aussi les sorciers de l'église où elle était se sont rassemblés pour la détruire. Non, non, tais-toi. Tais-toi. Ton nom. Non, non. Non. Oh. La puissance de Dieu est descendue tout à l'heure. C'est pour libérer les brisés des chaînes. Et c'est pas fini. Ma soeur est appelée par le Seigneur. Ce démon-là. Et quelques membres de son église où elle était là. Vous voyez ça? Mm-hmm. Ton nom! Jesus Christ. Oh Dieu de gloire. Dieu est magnifique. Un complot. Des sorciers. Je suis le pasteur. Voilà. Voilà. Je suis le pasteur. Voilà. Oui, le pasteur. Ton nom! Oh Godwin. Vous avez vu ça? Godwin. Vous allez dans les assemblées, vous voyez comment les démons prennent place. Les pasteurs sorciers prennent place. Voilà. Allez, sortez de ces jeunes filles. Sortez maintenant. Là aussi, ça sort. On acclame le Seigneur de gloire. Allez, sortez au nom de Jésus. Allez, sortez maintenant. Sortez. Allez, sortez au nom de Jésus. On acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, Jésus de Nazareth. Il est magnifique, frères et sœurs. Ça va sortir là. Voilà le pasteur, comment il travaille avec le diable pour détruire la jeunesse. Mais c'est pas fini, il y a beaucoup de membres qui sont là-dedans. Là. Elles vont vomir, amenez-nous le sac là. C'est pas fini là. Toutes les personnes possédées ici là, par la sirène, par des hommes, par les sorciers, vous allez vomir vos choses là. Vous allez pouvoir servir le Seigneur proprement après le nom de Yeshua. Ça va lâcher vos vies là. Les démons de sirène de zoo, les démons de sorcellerie. Les démons d'impudicité, les démons de mort. Ici, là, ça va vous sauver. Vous allez être libre aujourd'hui. Libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aurélie, touchez-moi le ventre de ma soeur, là. Prie au niveau de son ventre. C'est la nourriture qu'elle a mangée aussi, là-bas. Là. Par la nourriture, on empoisonne, on ensorcelle les gens, là. Au nom de Yeshua. Non, Jésus est magnifique. Les choses qui se passent dans l'esprit. Hein? Quand on s'assemble dans une église où Dieu n'est pas, vous recevez l'esprit qu'il y a là-dedans. Paul dit, celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec. On a des surprises comme ça. C'est pour ça qu'il faut le feu pour que les serpents qui sont cachés là, tous ces serpents là sortent. S'il n'y a pas le feu du réveil, s'il n'y a pas le feu de l'esprit, eh bien les choses se cachent. Vous pouvez avoir des problèmes, vous ne comprenez pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Vous pouvez faire des cauchemars, des songes où des pasteurs vous attaquent, des gens de l'église vous attaquent. Tout ça, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu es surprise, hein? Je savais qu'il y avait quelque chose qui se cachait. Et à chaque fois, en fait, Dieu nous appelle à aller dans cette église et libérer son peuple. Et à chaque fois, ils nous ont virés de l'église, ma soeur et moi.
Ils nous ont virés de l'église et ils nous ont fait passer pour des folles. Il n'y a plus personne qui nous parle dans l'église. On nous prend pour des folles, des démons. Et le pasteur, il nous a menacés. Et moi, maintenant, Dieu ouvre mes yeux, donc je sais qui il est, il sait qui je suis. Et les gens, ils sont... Des fois, on joue de la musique, on danse dans les églises, on ne sait même pas, c'est diabolique. C'est des sons diaboliques et on s'agite. L'Esprit de Dieu, il n'est même plus là depuis. Les gens sont morts dans l'église, morts. Mais par la grâce de Dieu, je sais qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo-là. Ça va leur parler et ils vont sortir de cette église parce que personne ne peut arrêter l'œuvre du Seigneur.